Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour Ferhat Mehenni. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de VL Média. Vous avez été le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, et vous êtes aujourd'hui le président de l'ANAVAD, c'est le gouvernement provisoire de la Kabylie. Alors une première question, autodétermination, oui, mais est-ce que c'est l'indépendance ou l'autonomie que vous souhaitez? C'est l'indépendance. L'indépendance? Il y a encore quelques années, vous militiez pour l'autonomie régionale de la Kabylie. Tout à fait au printemps noir en 2001, quand l'Algérie avait tiré sur les enfants kabyles qui manifestaient pacifiquement, nous étions tous enracinés dans le nationalisme algérien. Et il était impossible de revendiquer autre chose qu'une autonomie. Donc c'était une première étape pour s'émanciper du lien national algérien. Et ensuite, j'ai fait le tour du monde. J'ai été dans tous les pays pratiquement où il y a des autonomies. Et je n'ai jamais trouvé un peuple autonome heureux. Donc dès lors que l'autonomie serait un piège pour nous, j'ai préféré donc raccourcir le chemin, aller direct vers l'indépendance plutôt que de passer par l'autonomie. Alors, indépendantiste, vous n'êtes pas le seul. En Europe, il y en a plusieurs. Et l'ancien chef du gouvernement catalan, Carles Puigdemont, a été arrêté dimanche en Allemagne. Est-ce qu'il ne serait pas un peu mal vu aujourd'hui d'être indépendantiste? Sûrement que l'ordre établi déteste les indépendantistes parce qu'ils remettent en cause l'équilibre géostratégique et géopolitique à travers le monde. Mais il n'y a jamais eu de frontière éternelle à travers le monde. Ça a toujours bougé et ça continuera de bouger davantage. Lutter contre la mouvance des frontières, c'est de la réaction, c'est aller à contre-sens de l'histoire. Est-ce que vous condamnez son arrestation par les autorités allemandes? Je ne condamne pas l'arrestation par les autorités allemandes. Je condamne l'émission d'un mandat d'arrêt européen par l'Espagne. L'Allemagne, parce qu'elle est liée par des conventions européennes avec l'Espagne, est obligée d'exécuter un mandat d'arrêt. Mais je demande à l'Allemagne de le relâcher parce que organiser un référendum d'autodétermination de la Catalogne est un acte démocratique et la démocratie n'est pas un crime. Alors Ferhat Mehenni, on revient au sujet qui vous concerne le plus, l'indépendance de la Kabylie. Il faut être honnête, en France et dans les médias français et anglo-saxons, on en parle très peu de la Kabylie. Est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer ce que c'est? La Kabylie est une région qui a été rattachée à l'Algérie par la France en 1857, c'est-à-dire 27 ans après que la France ait envahi l'Algérie. La création de l'Algérie par décret a été faite le 14 octobre 1839. Et il a fallu 20 ans plus tard pour que la Kabylie y soit annexée. Cette annexion n'a jamais été actée par des notables kabyles, des représentants kabyles, ce qui la laisse comme étant illégitime et illégale à ce jour. Alors, justement, notre reporter Manuel Delaval est allé dans Paris demander aussi les questions que souhaiteraient vous poser les jeunes et les jeunes kabyles. Bonjour Manuel. Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Bonjour Monsieur Mehenni. Bonjour. J'ai questionné la jeunesse et certaines personnes ont tenu à vous transmettre leurs interrogations. Tout d'abord Clotilde, elle me demande pourquoi êtes-vous venu vous exprimer ici sur VL. Je ne choisis pas particulièrement des médias qui me tendent le micro. Je remercie VL de le faire. Et justement, VL, c'est un média jeune qui s'adresse aux jeunes. Est-ce compliqué aujourd'hui de s'adresser à la jeunesse kabyle de Paris? J'ai 67 ans. Ça pourrait paraître effectivement un peu délicat pour un homme de mon âge de s'adresser à la jeunesse. Pourtant, nous avons en Kabylie une jeunesse très dynamique et très populeuse. Donc, je suis dans l'obligation de compter sur la jeunesse parce que c'est elle le fer de lance de toute lutte d'émancipation et de démocratie. Et donc dans la rue, on m'a aussi fait la démonstration du pouvoir des réseaux sociaux dans le monde aujourd'hui. Comment les jeunes discutent-ils entre eux chez vous? Est-ce qu'Internet a le même lien social?
Internet a le même lien social, sauf que l'Algérie avait longtemps lésiné sur les moyens pour ne pas développer l'Internet filaire. Maintenant qu'il y a des smartphones, tout le monde se rabat sur l'Internet des smartphones. Donc ce réseau s'est énormément développé, mais surtout à travers Facebook. Et est-ce que vous utilisez vous-même Facebook ? Moi, sincèrement, non. Je laisse d'autres gérer ma page, mais moi, je ne la gère pas. Et pour en revenir, Karim, lui, m'a demandé quel rôle pourrait avoir la jeunesse dans le futur en Algérie. Je ne sais pas quel rôle il peut avoir en Algérie. Je ne lutte que pour la Kabylie. L'Algérie a résolu ses problèmes, la Kabylie pas encore. Donc le rôle de la jeunesse kabyle, c'est de descendre dans la rue pacifiquement et de réclamer l'indépendance de sa patrie. Et donc pour finir, c'est ma question préférée, c'est Selim, bon, qui vient de Blida, hein, c'est pas en Kabylie mais c'est en Midjida. Il me parle de son pays comme une terre de football, l'Algérie qui est une terre de football, et les Fenecs ne seront pas en Russie cet été. Est-ce qu'en 2022 pour la Coupe du Monde au Qatar, on pourrait entendre le slogan « One, two, three, viva la Kabylie » Déjà cette année, si l'Algérie a échoué à se faire... admettre à la finale de la Coupe du Monde, la Kabylie l'a réussi au sein de la CONIFA. Donc il y a une Coupe du Monde autre que celle que l'on connaît, mais qui est celle des peuples non représentés. Et cette Coupe du Monde, la Kabylie y a accédé à sa finale. Et donc il se passera du 31 mai au 9 juin à Londres, et j'appelle tous les jeunes kabyles à venir soutenir leur équipe là-bas. Et j'espère que dans 4 ans, d'ici là, la Kabylie sera indépendante et qu'elle puisse y aller. On criera bien « One, two, three, vive la Kabylie ». Merci Monsieur Mehini. Merci Manuel. Et merci Mathieu. Monsieur Mehini, on va revenir un petit peu sur vos revendications. L'indépendance de la Kabylie, ça veut dire aussi une indépendance économique. Beaucoup de jeunes Kabyles se posent la question de savoir comment la Kabylie arrivera à être indépendante économiquement, sachant que sa principale ressource économique, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive vaut plus que le pétrole. Un litre d'huile d'olive est à 3 euros au moins, tandis qu'un baril de pétrole est à 50 dollars. Donc vous voyez, quand on calcule un baril d'huile d'olive par rapport au baril d'huile de pétrole, avec 180 litres d'huile d'olive multiplié par 3, vous voyez bien qu'il n'y a pas de comparaison. Ceci d'une part. Deuxièmement, la Kabylie est très très riche en termes de ressources naturelles. Elle a du pétrole, elle a le cinquième plus important gisement au monde de plomb, de zinc, d'or et d'argent, qui est situé à Bijaya. Et il y a également 60 000 hectares de chênes liège. Nous avons une terre promise au tourisme, mais que le régime algérien a complètement atrophié. Et nous avons surtout la meilleure des matières pour l'économie, c'est notre jeunesse, c'est l'élément humain. Les enfants de la Kabylie sont travailleurs, sont compétents, sont brillants, et donc ce sont les hommes qui créent l'économie, ce n'est pas l'économie qui fait les hommes. Et de toutes les façons, tant que la Kabylie n'aura pas son état indépendant, elle sera tributaire, elle sera dépendante de l'Algérie. Je dirais même que l'Algérie a occasionné, en termes de retard économique à la Kabylie, plus de 50 ans. Mais est-ce qu'on peut créer une économie juste à partir de matières premières, de l'huile d'olive, de zinc, vous en parliez ? On crée de l'économie à partir de l'intelligence et non pas de l'huile d'olive. L'huile d'olive n'est qu'un adjuvant à l'intérieur. Et il y a... En tous les cas, sur le plan économique, il n'y a aucun État au monde, aucun pays au monde qui se satisfait à lui-même. La France est déjà endettée à plus de 2000 milliards d'euros. Et l'Amérique, qui est le plus grand pays au monde, est endettée à je ne sais pas combien, à des milliards et des milliards. Donc, dire qu'il faille être autosatisfaisant sur le plan économique pour être indépendant, cela est une gageure. De toute façon, personne, aucun pays au monde ne l'est.
J'ai une autre question que m'ont posé beaucoup de jeunes Kabyles qui étudient ici à Paris. Ils me demandent qui est-ce que vous représentez exactement. Est-ce que c'est les Kabyles algérois? Est-ce que c'est les Kabyles qui résident en Kabylie? Ou est-ce que c'est les Kabyles de France, puisque votre gouvernement provisoire, je le rappelle, est établi à Paris? Si un gouvernement provisoire existe, c'est toujours parce qu'il y a incapacité d'organiser des élections pour avoir un gouvernement normal. Un gouvernement provisoire est par définition un gouvernement autoproclamé et représente toute la Kabylie combattante sur le plan pacifiquement, sur le plan politique pour son indépendance. Tous ceux qui se retrouvent dans le combat pour l'indépendance de la Kabylie, nous les représentons. Combien de personnes vous représentez en Kabylie ? Oh, disons, en Kabylie, vous savez, il n'y a personne qui puisse faire descendre autant de monde dans la rue que le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Donc, nous avons pour le 20 avril prochain une démonstration de force à faire. Cela fait 8 ans que nous le faisons maintenant, même 10 ans que nous le faisons de manière massive. Chaque année, nous sommes plus nombreux. L'année dernière, il a fallu des hélicoptères pour que le gouvernement algérien évalue l'ampleur de la foule venue de marcher à Tizi Ouzou. Donc c'est gigantesque. Nous représentons... Ils étaient combien à Tizi Ouzou ? Nous représentons environ 70 à 80% au moins de la population kabyle en Kabylie. Le MAC, c'est oui. 70 à 80% de la population kabyle. Absolument. Ce n'est pas les statistiques qu'on peut lire autre part. Bien sûr, nos adversaires, c'est toujours de minorer ou de... Enfin, entre 15 et 70, ça va quand même multiplier par 5. Non, pas du tout. En aucune façon. La réalité est que, je vous ai dit par exemple pour l'année dernière, il y avait environ 1 million de personnes à Tizi Ouzou, il y avait 500 000 à Bougie, il y avait quelque chose comme 100 000 à Toubéritz, donc il y avait du monde. Quelle est la différence entre le MAC et le RPK, le Rassemblement pour la Kabylie ? Oh, je crois que nous n'aimons pas faire la comparaison. En tous les cas, il n'y a aucune comparaison à faire. L'un demande l'autonomie, nous demandons l'indépendance. Mais est-ce qu'une alliance avec eux est possible ? Les alliances sont possibles dans la mesure où c'est l'intérêt de la Kabylie qui prime sur le reste. En quoi est-ce que vous êtes légitime pour représenter cette frange de la population kabyle? C'est 70 à 80%, ce sont les chiffres que vous avancez, étant donné que vous vous êtes autoproclamé, donc qu'il n'y a pas eu d'élection. Comment est-ce que vous pouvez être sûr que vous les représentez? D'abord, je représente quelque chose dans la mesure où j'ai été élu par mon parti, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Deuxièmement, il n'y a jamais eu à travers le monde un gouvernement provisoire qui ne soit pas autoproclamé. Je l'ai dit tout à l'heure, si il pouvait y avoir des élections, on ferait un gouvernement tout court, mais pas un gouvernement provisoire. Nous sommes un gouvernement de combat politique, donc il n'y a pas de raison à attendre qu'on soit plébiscité par les urnes pour l'être. Par contre, nous avons déjà testé une manière de faire déjà des élections et nous avons prévision d'un référendum que nous organiserons plus tard. Donc nous avons fait des élections pour le drapeau kabyle. Et c'est une première dans les annales de l'humanité où un drapeau d'un peuple ne soit pas imposé mais voté. Comment est-ce qu'on gouverne avec un gouvernement provisoire la Kabylie depuis Paris ? On ne gouverne pas. Nous prévoyons. Alors qu'est-ce que vous faites ? Notre rôle consiste à défendre, à mener la Kabylie vers son indépendance. C'est ça notre rôle. Dans les années 80, vous étiez militant d'extrême gauche ou de gauche radicale au mouvement culturel berbère. Vous avez même fait partie de 24 détenus, si je ne m'abuse. Pourquoi ce changement entre le MCB et aujourd'hui le MAC ? Écoutez, en 1980, j'avais 30 ans, donc j'étais relativement jeune et j'avais des aînés. Mes prédécesseurs étaient remarquables. C'était des monuments comme Ket Biassine ou Mouloud Mamri ou Bessaoud Mohand Arab. C'était nos références. Et donc, je ne pouvais qu'être dans la foule avec tout le monde. Avec l'expérience qui est la mienne, je suis... arriver à
voir que le monde a évolué, que notre revendication devait évoluer. La mort du MCB est actée par le printemps noir de 1980, quand il n'a pas su gérer la situation et d'autres mouvements avaient émergé à sa place. Donc le MCB qui ne revendiquait que des problèmes, qui n'avait de revendications que culturelles, identitaires, linguistiques, n'a pas su renouveler ou s'élargir ou élargir sa palette de revendications pour demeurer en vie. Et c'est probablement ça aussi qui a fait en sorte que quand j'ai fondé le MAC, je ne suis pas resté à la seule revendication d'autonomie, mais nous sommes passés à celle de l'autodétermination et de l'indépendance de la Kabylie. Alors Ferhat Mehenni, vous êtes le président du gouvernement provisoire et autoproclamé de la Kabylie. On va vous familiariser un petit peu avec le protocole, c'est l'heure de la chronique impertinente de Martial. Bonjour Martial. Le voilà, il arrive. La photo c'est là. Bonsoir, alors... Monsieur Mehenni, en tant que président de la République française, je suis ravi de vous accueillir à l'Élysée. Alors oui, hein, comme vous pouvez le constater, on a drastiquement réduit les budgets, hein, mais il n'empêche, nous sommes ravis quand même. C'est bon pour la fanfare, là, voilà. Hein, ils nous ont laissé la fanfare, je ne sais pas pourquoi. Merci les gars, c'est bon. Ravi, disais-je, d'avoir l'honneur de vous rencontrer, monsieur Mehenni. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, on le disait tout à l'heure, vous êtes le président de la NAVAD. Alors non, ce n'est pas une nouvelle mutuelle santé, mais le gouvernement provisoire donc de Kabylie. Et cette fonction, monsieur Mehenni, c'est ce qu'on appelle le combat de toute une vie et des vies d'ailleurs. Vous en avez eu 1000 et même plus. D'abord créateur d'une revue aux revendications culturelles et linguistiques, puis chanteur populaire qui rénova la musique traditionnelle. Mais vos textes subversifs dans l'Algérie des années 70 vous valent déjà quelques jours de prison. Et apparemment, vous n'avez pas compris la leçon, puisque quelques années plus tard, en 1985, vous décidez de créer la Ligue algérienne des droits de l'homme, pour laquelle vous écoperez 2-3 ans de prison. Ouais, mais là, quelle idée aussi, la Ligue des droits de l'homme, en 1985, oui. Quoi. Non, mais ils ont ces lubies, les mecs. Heureusement qu'en France, on n'a pas fait une connerie pareille, les gars. Hein. Franchement, on se le met sur l'oreille, celui-là. En 88, apparemment, vous n'avez toujours pas compris et lancé en grande pompe le Rassemblement pour la culture et la démocratie. Alors là encore, la démocratie. Non mais quelle mouche vous pique, enfin monsieur, la démocratie, non mais... Alors oui, certes, on en a déjà parlé, la démocratie peut être un hobby comme ça pour rigoler, mais là on parle de sujets sérieux, enfin merde. Non, là, je m'énerve, là. Excusez-moi, hein. On est à BFMT, je me détends. Alors, vous lâchez pas l'affaire, hein, puisqu'en 2001, après avoir fait plier le gouvernement algérien quand même une première fois en 95, vous créez carrément le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Alors, rien que ça. Alors là, on aura tout vu. Alors là, ça y est, Pays Basque, la Corse, la Catalogne, on y va. Non, mais vous êtes fous, quoi. Les mecs sont fous. Vous avez de ces idées, sans déconner. Alors, évidemment, immédiatement, logique et normal, mandat d'arrêt sur le territoire algérien. Hein. Mais là, je peux plus vous couvrir là. Là, la démocratie, la Ligue des droits de l'homme, machin, là, vous cherchez la petite bête en permanence, enfin. Monsieur Macron, soyez humain. S'il vous plaît, monsieur Macron est mon prédécesseur, s'il vous plaît, ne parlez pas de cette personne que je raffronterai aux élections très certainement. Alors, le pompon, puisque vous me coupez, c'est le 1er juin 2010 quand vous formez un gouvernement provisoire kabyle, dont vous serez évidemment le président. Alors là, évidemment, on touche le fond, mais puisque vous êtes donc mon homologue, hein, on vient d'en parler, n'hésitez surtout pas à me demander conseil, vous savez que la France a toujours eu des idées lumineuses en ce qui concerne l'Algérie, donc surtout n'hésitez pas. D'ailleurs, je vous ai dit que j'allais me représenter à l'élection présidentielle ou pas, ah, parce que mes conseillers me disent de pas trop en parler, mais bon là on est entre nous, donc je vous dis 2-3 trucs, et puis faut bien contrer le nouveau retour de Sarko, le retour probable de Hollande, et même le retour programmé de Giscard qui a eu presque 40 ans pour préparer son coup. Donc soyons offensifs, bref, vive la France et vive la Kabylie libre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci Martial. Monsieur Mehenni, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chronique ? Excellente. On vous a beaucoup entendu rire en tout cas. Oui, j'ai beaucoup apprécié l'humour de la chronique. C'est un brillant élément. Alors, l'interview va bientôt toucher à sa fin. On va parler quand même 2 minutes de votre marche. Quand est-ce qu'elle sera et combien de personnes vous attendez ? Écoutez, la marche sera pour le 15 avril à 14h de Bastille à République.
Nous attendons beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, et j'espère que tous ceux qui entendent viendront. Deuxièmement, je rappelle que le 28 septembre, nous avons déposé un mémorandum d'autodétermination auprès de l'ONU. Adressé à Antonio Guterres. Voilà, nous venons de lui rappeler d'inscrire la Kabylie sur, à la 4e commission de décolonisation comme territoire à décoloniser, qui est la Kabylie. Donc, est-ce qu'il vous a répondu? Pas encore. Et j'ai fait un livre pour accompagner son mémorandum que l'on peut trouver, soit le mémorandum est à l'Harmattan, et le livre que j'ai fait, Kabylie, le mémorandum pour l'indépendance, est aux éditions Fauve. Donc c'est avec utilité que chacun consultera ces deux livres pour savoir la réalité de nos revendications et pourquoi nous le faisons surtout. Mais donc cette marche, pourquoi la faire à Paris? C'est pour demander, on soutient à ce mémorandum et pour demander l'indépendance de la Kabylie. Très bien. Une dernière question, Ferhat Mehini, vous avez été chanteur et beaucoup de gens, je le vois derrière le hublot, aimeraient savoir si vous pourriez nous faire un petit extrait de chanson a cappella. Ce ne serait pas bien. Pour le respect de la fonction, je préfère que ce soit pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois, eh ben très bien. Merci beaucoup Ferhat Mehini d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous de nous avoir regardés et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur VL Média. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.